partager ce petit moment fabuleux avec vous. Dans cette vidéo, nous allons partager une recette très intéressante. Voilà. Les amis, tu déposes un dossier dans une entreprise. On te refuse. Tu déposes une demande pour un voyage. On te refuse. Tu déposes des dossiers pour n'importe quelle demande. On te refuse. Même tu déposes une demande de mariage simplement pour te marier. On te refuse. Tout ce que tu vas demander, on te refuse. Hey, vraiment, les amis. Hey. Dieu n'a pas prévu de telles choses, autant de refus de votre dossier, de votre demande. Dieu n'a pas prévu de telles choses pour vous, les amis. Je vous dis la vérité, Dieu n'a pas prévu ça. Parce que si ça vous arrive, c'est qu'il y a un blocage quelque part sur votre personne, sur vous-même. Ce n'est pas un blocage qui vient de quelque part, mais c'est d'abord sur vous-même. Parce que c'est vous qui déposez le dossier qui ne fonctionne pas du tout, qui est refusé et très vite refusé. Et Samy, c'est pour ça que vous devez vous réveiller. Vous partez faire une demande de mariage pour que vous soyez heureux. On vous refuse. Non, quand même. Réveillez-vous. Ce n'est pas normal. Voilà. Je vais montrer une petite recette. Et toujours, je l'ai déjà même montré. Et je vous dis sincèrement, il y a deux catégories de êtres humains sur la terre, deux catégories, et même trois catégories de personnes. Le chiffre 3, vous le connaissez bien, c'est un chiffre qui apporte la résurrection du Fils de Dieu, selon les livres saints. Donc, le chiffre 3 est un code précis qui peut vraiment vous aider à comprendre combien de types de personnes il y a sur la terre. Il y a des personnes qui ont deux chemins de vie. Ce sont des personnes qui possèdent deux codes. Ceux-là, ils sont adaptés à être sur tous les fronts. Et les personnes qui sont des personnes de la nuit, eux, ce sont des personnes qui ont le code de la nuit et des étoiles de nuit. Et ces personnes, eux, ils ont aussi leur code. Et la troisième personne la plus merveilleuse parmi les trois codes, les deux codes dont je viens de vous expliquer, ce sont les personnes de la lumière. Par contre, eux, ils sont très brutales où ils arrivent. C'est eux qui possèdent la lumière et qui ont les étoiles de la lumière. Logiquement, lorsque vous avez plusieurs refus, vous devez savoir en fait quel type de code vous possédez. Avant d'aller déposer des dossiers là, et vous voir refuser vos dossiers comme si c'était normal. Lorsque vous sauriez que vous êtes une personne soit de la lumière ou de la nuit, vous saurez comment déposer vos dossiers pour qu'elles soient rapidement acceptées. Mais lorsque vous-même, vous avez déjà du doute, parce qu'il y a des gens qui sont souvent négatifs lorsqu'ils font des choses, ils n'ont même pas confiance. Ils n'ont même pas confiance à ce qu'eux-mêmes ils font. Parce que comment quelqu'un peut se réveiller le matin et dire qu'il doit aller déposer des dossiers et lui-même il est déjà convaincu que le dossier qu'il va déposer serait refusé? C'est quelque chose qui arrive beaucoup à des personnes parce que tout ce qui est négatif, c'est ce qu'on apprécie. Voilà. Dieu n'a pas prévu de telles choses. Il n'y a aucun passage où il a prévu de la tristesse pour un être humain. Alors ce n'est pas normal que vous vous retrouvez à déposer des dossiers ou des demandes et elles sont plusieurs fois refusées. Quelque chose ne cloche pas, quelque chose ne va pas bien et peut-être vous ne savez pas quel genre de code vous avez réellement. Il suffit de le savoir et ça va vous aider à pouvoir avancer sûrement dans votre vie.
Les amis, Dieu a mis tout dans la nature pour que vous soyez heureux. Il faut vous réveiller. Vous allez chercher une femme, vous l'appréciez, tout se passe bien, et un matin, elle vous dit qu'elle ne veut plus être avec vous, elle refuse votre compagnie, et c'est très clair, et c'est très carré, et on vous le dit en face. Ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. Mon frère, si ça t'arrive souvent, cette situation, ce que tu dois savoir, c'est que tu es né en fait pour être avec des femmes. Pas avec seulement une femme, mais des femmes. Parce que y en a, les femmes sont plus que les hommes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, il y a plus de femmes. C'est parce que Dieu t'a béni pour que tu puisses avoir autant de femmes que tu veux. Mais lorsque toutes les femmes te fuient et te refusent, alors le problème est sur toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose contre toi, ça peut arriver. Mais d'abord toi-même, il y a un problème qui ne va pas. Tu ne peux pas accepter cette situation. Tu dois te battre pour que cette situation puisse changer. Hé, hey, vraiment, ma sœur, tu es tellement belle, tellement merveilleuse que tous les hommes doivent être à tes pieds. Apprécier ta beauté, apprécier ton fabuleux corps que Dieu t'a donné. Mais tous les hommes te refusent, tous les hommes qui te rencontrent, ils te refusent. Franchement, pour te dire la vérité, ce n'est pas normal. Il n'y a pas de choses comme ça. Toutes les femmes sur cette terre ont un mari. Même à 100 ans, il y a des femmes qui croisent leur mari à 100 ans. J'ai vécu cette expérience avec une dame, mais elle avait plus de 87 ans, cette dame. Et elle a rencontré l'amour, mais qui l'a fait sourire, rire. Tout est possible. Ce n'est pas normal qu'on vous refuse ou vous êtes refusé par un homme. Ce n'est pas normal. Il faut vous réveiller. Il faut regarder ce côté spirituel de la lumière ou de la nuit, ou si vous portez les deux codes. Et vous allez trouver votre chemin très rapidement. Si vous avez compris cette vidéo, je pense que ça va vous aider à comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez. Réveillez-vous pour votre vie. Parce que tout est dans la nature. Tout est dans la nature pour que vous soyez heureux et pour que vous trouviez votre chemin plus rapidement. Mettez le petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour toute histoire merveilleuse de Astisémie. À bientôt. Au revoir.